Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour, j'espère, terminer cette mission qui nous aura bien fait suer, dans le bon sens du terme. Hein. Elle est extrêmement intéressante, mais elle est extrêmement difficile également. On a plein de taf, plein de trucs à faire. On commence à être un petit peu en dèche de tout, mais on va tenir, ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, je vérifie que... Ouais, là voilà, ça y est, là c'est sorti, il y a des trucs qui vont apparaître. On a que dalle pour gérer, on doit avoir là un Bradley qui va du coup venir se poser ici, même plutôt là. Ça c'est un canon automoteur qui est encore en train de faire je ne sais quoi. On va récupérer un char, là, toi t'es chargé à bloc, viens là, on a besoin de toi. Toi. Il faut qu'on te suce tout ce que t'as, donc go. Les canons automoteurs, je sais pas ce qu'ils ont, hein. Pourquoi ils décident de charger comme ça, bille en tête, je n'en sais rien. On va aller recharger toi aussi, tant qu'à faire. Ça mangera pas de pain. Ici, on a quasiment géré. Ici, il y a de nouveau du véhicule qui est sorti. Mais ça va le faire, je pense. Ils sont en train de souffrir. J'ai cru qu'ils se faisaient tirer dessus, mais ça va. Voilà, putain, là, il y a une saloperie qui est sortie. On va l'allumer à la mitrailleuse, en espérant que ça passe. La mitrailleuse à la grenade, le temps que le renfort arrive. Toi, tu serais peut-être pas mal d'ailleurs, genre dans ce bâtiment-là. On se déploie. Ok, on a réussi à l'endommager. Putain, il a eu le temps de nous shooter un mec avant que ça devienne critique, quoi. Là, on a réussi à shooter ce qui sortait. Ici, il faut qu'on répare un peu. On répare un peu. Toi. Alors vu qu'il faut qu'on lui suce jusqu'à la dernière goutte de ravitaillement, on va aussi envoyer l'Ivar se recharger. Toi tu remballes. Et tu vas commencer à te déplacer par là-bas pour récupérer ta plateforme. Voilà, là on devrait pouvoir couvrir à peu près ce qui sort là, sauf s'il nous balance un méga tank. Quel cas ce sera la merde, mais on fera avec. Ici il faudrait peut-être même qu'on avance un peu, on voit rien. Parce que c'est pas sûr qu'on voit tout ce qui sort en fait. On est quand même assez loin, et le problème c'est que niveau bâtiment... Après ça reste du bâtiment moyen ça. On va y aller avec nos mecs. En gardant les snipes derrière en couverture. Ah oui, alors ici il a fini. Alors du coup, go, vas-y, viens par là. Parce que c'est pareil, il a deux temps ce foutu... truc, lui on va le mettre là, sur le flanc. Avec ses 4 tours restants, toi faudrait que t'avances un peu je pense. Ouais voilà c'est ça, il y a des enfoirés qui... Il y a des enfoirés qui arrivent à se faufiler là. On va s'avancer plus. Toi c'est pareil, tu peux venir ici, tu embarqueras les rangers et le sniper dès que tu peux. Ici, on est à peu près remis, c'est parfait. Du coup, vous allez plutôt aller par là-bas vu que là il n'y a plus de munitions. Et vous pouvez aller vous charger là d'ailleurs. C'est pas si mal. Toi, mère, je t'aurais laissé là, pourquoi pas. Alors par contre, ce serait bien que tu orientes ton canon ailleurs. Mais bon, c'est l'avant ou c'est l'arrière ça? C'est l'arrière ça. Il dirait qu'il a bugué lui. Ah non, mais ils sont plus que deux.
Ah, ils sont plus que deux. À deux, ils peuvent pas faire de miracle, malheureusement. Ok, lui il est bientôt arrivé là. On va l'envoyer ici, comme tout à l'heure, pour qu'il reste bien à l'arrière. Bon bah malheureusement tu sers plus à grand chose toi, on va venir te mettre ici pour qu'avec tes petites armes restantes tu puisses filer un coup de main là si besoin. Là on a une belle portée avec 12 faux quand même, ça laisse de quoi tenir. Je revérifie une fois de plus qu'ils nous ont pas mis de ravitaillement dans les coins. Après je pourrais utiliser ces véhicules là pour recharger mes troupes, hein. Genre j'envoie un striker là, je fous mes... Ah, on les a perdus ici. Ah merde, on a perdu un Ardar 1. Ah non, il est là. Il m'a fait peur ce con. Ardar 2. Il était parti recharger son truc justement. Mais eux, ils sont à sec. Donc on va les foutre dans le striker. Ce sera très bien. Il y a là aussi où c'est sorti du coup, non? C'était où? Ouais, il y a là aussi. On n'a pas toi là. Tu peux ramasser ce truc là. Ouais, non, toi tu peux ramasser ce truc là. On va l'éloigner un peu. Lui, on va le mettre par là. Comme ça, il couvrira les deux. Les deux trucs qu'il y a à couvrir. Hop là. Placer la tourelle plutôt ici. Et on va se placer là. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Il est presque arrivé. Vas-y, extrais-toi. Alors par contre, du coup, on va pas avoir le temps là. Il va nous faire... on s'arrache. Démerde-toi pour couvrir nos arrières. Ok, ici, on élimine ça, on élimine ça. Là. On va le défoncer. Bon, le taux, c'était peut-être un peu trop. On va désactiver ça. Ah, il y avait une nuée, visiblement. Alors le coup du camion d'explosif, on va voir ce que ça donne. Est-ce que si une fois qu'il a réussi à tout évacuer, il nous laisse le camion d'explosif? Ah, il l'a abandonné. Il l'a abandonné. Est-ce qu'on a un truc pas loin qui pourrait éventuellement faire le taf? Et lui, il nous le laisse également. Alors là, il y a de la sortie. C'est quoi? Spider LRM, Spider anti-aérien, ça devrait aller. C'est vous qui êtes les plus proches. Le striker là du coup fait demi-tour. Pas eu le temps de s'en servir. Ici il nous reste quoi pour tenir la zone? Que dalle. Mais on a un Abraham qui est rechargé. Viens te mettre là. On a pu remettre un petit peu de trucs là-dedans et là-dedans. On va les envoyer vers le bas. J'imagine que ça va être par là qu'il va falloir qu'on sorte. Il n'y a pas de zone d'entrée. On est d'accord. Pas de nouvelle zone d'entrée qui serait apparue. Il y a celle-là. Qui pourrait devenir problématique. Mais ouais, en gros, vous. Venez me choper ça. Allez. Oh, sérieux, quoi. Merci. Avance un peu plus, toi. Ici, du coup. Bah ici, on abandonne pas mal la zone quand même. Hein. Bordel, là ça sort. C'est nos alliés préférés qui prennent la purée. On a quand même pris un peu cher avec le char. On va se replacer. Là on va voir s'ils reprennent ça. S'ils le reprennent pas, bah en attendant ça fera... Qu'est-ce que tu fais, putain? Place-toi comme ça et répare. Suffit les conneries, non. Sérieusement.
On n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Faut pas se sentir obligé de faire n'importe quoi, quoi. C'est franchement... C'est absolument pas une nécessité. Bon, là, ils m'aident hein, directement en se pointant comme des gros sacs. Ici, il y a toujours des trucs. On a ce qu'il faut pour évacuer si besoin. Là, c'est un bug. Ils sont plus que deux. On a de nouveau explosé un tank. Excellent. Ça fait plaisir. Et un autre véhicule là. Parfait. Il nous reste un petit peu de munitions, de carburant. Là, je me pense que je vais évacuer. On va se replier à l'arrière, là. Et on va utiliser ce Bradley, là, pour gérer ce flanc. En l'éloignant un peu de la zone de tir, là. On pourrait aussi se dire qu'on commence à se replier, hein. C'est tout à fait possible, puisque la zone de sortie est là-bas. Bon, après, ils sont bientôt tous sortis. Si on doit ramener le camion d'explosifs tout là-haut... Ouais, on va voir. On a récupéré ça. Alors, déjà, il y a du ravitaillement. Ça, c'est un bon point. Donc, tu vas te poser là. Et tu vas nous recharger ces deux trucs-là qui sont chers. Voilà. Ici, ils ont laissé le striker, les cocos. On va récupérer Shobby Snippy. Hop. Et on va demander... Ils ont... Oh putain, ils ont laissé plein de trucs. Deux Bradley. Il nous reste des escouades d'ingé. Normalement, il nous reste des escouades d'ingé. Il nous restait une escouade de deux ingé. C'était des alliés, ils sont partis. Je les ai envoyés conduire un truc pas adéquat. Là, il y a vous, là. Vous. Venez me choper ça. Ici, bah du coup, ici, il va falloir qu'on sorte les pirates de là. Alors, voyons voir. Là, c'est piloté. Là, c'est piloté par des ingés. Équipe de char, équipe de char. Tac, tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est du char. Là, on est bon. Là, c'est du pilote de base. Là, c'est bon. Le transport blindé, si, on l'a gardé, tiens. Ok, intéressant. Il y a aussi un canon automoteur, là. Ok, il nous laisse plein de trucs, le mec. On va se gaver, hein, s'il nous laisse tout ça. Moi, je crache pas dessus. Hein. Donc là, c'est pas adéquat, ce qu'il y a là. Là, c'est bon. Ok, les squads d'ingé, du coup, ça devait être des... Ah. Oh, le fumier. Ah oh, putain. Sérieusement. Oh la vache. I always knew I wouldn't survive the end of this war. But not like this. Betrayed by our own. Ah, j'ai pas vu venir à ce point là quand même. Tech Command, know how we can destroy the factory? Two entrances next to you. One leads to a production bay with all the augmented tech samples, the other to the cooling system under the dam. Legion needs a lot of water pumped through it to stop the factory systems overheating. Blowing up the dam will flood the whole place with water. It'll take years for them to start up production somewhere else. So, what do you want to do, Lieutenant? We have to destroy the factory. Alors... Le camion d'explosifs, du coup, c'est celui-là, je crois. Amener Church, Mason et le camion d'explosifs à la sortie de secours. Ok. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on reconquiert cette zone, du coup. Comme je le craignais. J'espérais qu'on pourrait envoyer ça, ils allaient nous demander de mettre ça dans l'usine différemment, mais... Visiblement, c'est pas le cas. Donc on va récupérer toi et toi.
Alors du coup, toi tu vas te mettre ici. Et toi tu vas dropper tes troupes là, en avant. Ah, il n'y a même pas de zone de sortie quoi du coup. C'est pour ça qu'ils nous laissent tous ces véhicules en fait, ils s'en branlent. Ah putain, c'est ouf quoi. Ici, il y a encore des petits machins qui sortent, mais on va les péter. Pas de soucis. On s'arrache avec ça. Ah, tiens, coucou. So what's the situation, Troublemaker? We're cut off and surrounded by overwhelming enemy forces. We need help fast. Just as well this high-speed barge I got here has room for you and all your people. Hey, look who else what? Is here. Alex, you didn't think the movement was going to forget all you've done for us. Jessica, you're here too? You help us, we help you. That's how it works. Rockets are ready. You there? This is Kelso. Kelso? Where are you? I heard what you were planning here and came to help. Tell us what you need us to do, Lieutenant. Rockets are ready. D'accord, il nous amène des trucs. Ok, excellent, 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 excellent. Alors on en aura probablement pas besoin, enfin je sais pas si on va devoir sortir. Alors il y a un succès je crois pour cette mission, qui consiste à faire venir tout le monde. Je peux regarder mes niveaux munitions, ouais ça va. Oh les petits loups qui étaient invisibles avant qu'ils s'approchent là. Ça va, on les défonce. Ici vous là-dedans, toi en position là. Toi t'es un taux, viens un peu sur l'arrière. Toi t'es un lance-grenade, viens là. Continue de remplir les stocks un maximum avec ça. Même si j'ai l'impression qu'on va s'enfuir en mode on s'enfuit. Alors du coup on a quoi? Du Bradley, de la remorque blindée avec quelques troupes dedans, de la plateforme lourde. Alors je sais pas dans quel état ils s'attendaient à ce qu'on soit pour nous amener autant de renforts. Ça c'est une plateforme anti-personnel et tout, on va venir la poser là. Vous du coup, bah, retournez ici, hein, tant qu'à faire, puisque finalement on n'évacue pas. Tac, là on va mettre du monde, j'aimerais bien du monde, ici, voilà, là. Un Bradley équipé de taux. On a deux tanks du coup ici. Ce serait pas mal de pouvoir avoir un peu de renfort peut-être dans cet angle là, là. Viens par là. Ici on commence à être un peu à court de mine, ce serait pas mal d'avoir un peu de troupes légères. Genre ça non, c'est du canon anti-recul à plasma. Par exemple, bah tiens vous, vous seriez idéal ici. Genre dans ce bâtiment là par exemple. Ce serait parfait, encore mieux celui-là pour les prendre de flanc. Alors on a une remorque blindée, bon ça c'est pas hyper utile très honnêtement. Une petite équipe de canons sans recul ferait tout à fait le taf ici. Là il y a Shobby Snippy qui va être bientôt en position. On a de la TGM, j'aimerais bien qu'il soit là pour filer un coup de main, voire même ici pour filer un coup de main contre les chars qui sortiront là. La remorque de ravitaillement, bah on va la remettre au centre du coup. Ici. Hop. Et la plateforme lourde, AP, HIT. Ici au final on n'a pas grand chose. On va la mettre là. C'est parti. Bon.
On a déployé un peu de monde. Là, on a les pélos qui font le tour. Ouf. Là, il y a ceux du lourd qui sort, là. On a perdu quelqu'un. Où ça? Ah putain, un char d'assaut ici. Allez, les ATGM là. Faut vous sortir les doigts. Ah putain, ils sont trop proches maintenant. Putain. Ah ouais, bah forcément là. Du coup, il est passé ici juste au mauvais moment. Pas cool. Tant pis, on va défendre ici. Le tank a été géré, il était temps que les ATGM se sortent les doigts là. Ok, là on nettoie. Ici on a quoi qui sort? Oh putain, un tank. On va devoir avancer un peu avec le Bradley. Ah, on rate notre dernier tour quoi. Saloperie. D'accord, donc effectivement, peut-être qu'un peu de renfort ne sera pas trop. Bon, enfin, ce genre de renfort là, pas forcément, mais... on va quand même les envoyer plus ou moins au centre là. Là, bah vous avez qu'à réparer, puis tu vas rester ici, toi, du coup, vu que t'es bien là. Là, j'en viens pas, les mecs qui étaient de l'autre côté de la map à faire n'importe quoi. Vous venez ici, vous serez plus central. Allez, là, on descend. On avait du coup récupéré un transport, hein. Tiens, viens là toi. Tu vas te drimballer de church. Alors ici, comment on va se démerder avec ça? Bon, on va se démerder en envoyant lui, je pense. Hein. Bah, faut que tu recules toi, parce que tu vas te faire dépouiller le cul. Ok, il commence à avancer. Si on pouvait le choper de flanc. Parfait, tiens, mange. T'as pas aimé ça, hein? D'accord. Il nous envoie des mondes. Eh bah écoutez. Incroyable, incroyable, incroyable. Je sais pas ce qu'on va faire avec tous ces gens, mais... on va le faire en tout cas. Là du coup, il faut qu'on répare si on veut pouvoir bouger. Ici on a un petit peu souffert. Globalement, ouais. Tout le monde a un peu souffert, on répare vite fait. Là ça va, ici on va gérer ce foutu char, et donc là, toi, t'es en train de prendre ça, toi tu montes là-dedans. Ah non, ça c'est Flinch le pirate, pardon, Flinch le pirate. Tu vas aller prendre un petit Bradley, hein, parce que pourquoi pas. Et vous du coup, vous allez ici, on a vu que c'était la zone la plus safe. Mais du coup, vous, cassez-vous. Attends, on n'a plus de munitions pour Mazamara qui est ici parce qu'il y a un gros truc qui était sorti là. Toi, recule. On a perdu quelqu'un sur ce flanc là. Ah oui, il y a un gros gros tas de saloperies qui est sorti encore. Putain, là c'est tendu aussi, hein. C'est tendu, tendu.
On va venir te poser là, toi. Il est où le camion de... Qu'est-ce qu'il fait? Non, y a pas moyen. Vous ne prenez pas cette putain de route. C'est de la merde cette route. Ah, ils sont pas anti... Ils sont pas chenillés, donc ils passent pas par là, quoi. Donc il faut vraiment qu'on les fasse contourner par ici, par contre. Comme vous voulez, mais... Là, vous êtes arrivé. Posez-vous. Non, posez-vous même ici, plutôt. Ça c'est de la petite connerie, non, vous tirez pas là-dessus, vous réparez, vous foutez au sol. On a un Humvee abandonné, c'est pour ça que c'est que les mecs ils se sont barrés en speed quoi. Parce qu'en vrai, ils étaient en train de se faire, on leur a dit, ouais au fait, si vous cassez pas, bah on vous abandonne. Allez bisous. Ah oui putain, on tirait sur ça, d'accord. Vas-y, déploie-toi toi, recharge un petit peu ça. Non, toi tu vas te tirer. Là on a quoi? Un transport blindé avec Church, ah oui. Ah, on a des hélicos. Eh bah excellent. Je sais pas si ça va nous aider, mais... Vous pouvez venir par là. Là, un petit ATGM dans ce bâtiment-là, je pense que ça nous aurait bien aidé également. Puis les autres là, ils vont rester dans le coin au cas où il y a des gens qui se pointent. Il y a un chat qui fait des bêtises. Chobiti doit être endormi. Ici, il faut réparer. Donc. Là, les mecs avec des fusils, je sais pas bien quoi en foutre. On peut leur donner un petit véhicule tow, je reconnais du tow, là. Allez, c'est bon. On s'arrache. T'as repris un peu de munitions, toi, ça fera le taf. Ici, il y a des trucs qui sortent, on les défonce, c'est pas trop un problème. Alors, le camion d'explosifs, c'est celui-là. Ouais, avec ma sonde dedans. Vas-y, trace jusqu'ici. Là, il y a un truc qui est sorti. On va le défoncer, c'est bon. Pas trop un problème. Même de l'artillerie qui arrive. Cassiopée! Ça suffit. Allez, alors il y a un succès sur cette mission pour amener tous les amis. Je pense que théoriquement, si on est pote avec les intégrateurs, on doit pouvoir faire venir les intégrateurs aussi. Même si en l'occurrence, là, nous, c'est pas trop le sujet. On va progresser un peu, là. Ah bah, tiens. On a bien fait de progresser. Vous finissez de réparer, vous avancez. Avec le soutien des ATGM, ça va peut-être être un peu plus efficace. Là, vous avez plus de mission, vous. Oh, un autre tank, sérieusement. Faut m'allumer ça, là. Oh la vache. Ah, il y a un autre tank, là. Toi... Priorise-moi cette cible. Il est déjà arrivé lui. Et il est où l'autre? Il est là. Pointez-vous. Non, on tire deux à l'heure. au sol les gars.
Oh là là, mais quel enfer! Pourquoi vous tirez pas, putain, vous, là? À quoi vous servez? Pourquoi je vous ai mis là? Sérieux? Merci, quoi. Shoot-moi ça. Ici, c'est fait. L'hélico a fait le taf. C'est pas dommage, quoi. On a déjà plus que 3 taux. On va récupérer l'autre. On va venir le poser là. Vous, vous réparez également. Vous restez là au chaud tant que c'est en flamme. Qu'est-ce qu'on a perdu un truc? Qu'est-ce qu'ils ont sorti ici pour que ça fasse aussi mal? Ok, bon bah je sais pas ce que vous aviez comme véhicule vous. Un petit Humvee visiblement. Un lance-missile TOW. Qui devait certainement être à sec. Alors, amener Church, Mason. Alors là, faut qu'on sorte tout le monde. Tu sors. C'est bien le bon camion qu'on a amené, ouais. Du coup, il faut que vous sortiez. Sortez. Voilà. Deux minutes. Reste là, toi. Il y aura certainement du monde à ramener. Deux fucking minutes. Putain, il n'y a plus que deux personnes dans tous nos chars. Ils commencent à galérer, les pauvres. Ah oui, il y a vous là. Vous pouvez réparer aussi d'ailleurs maintenant. Avant de vous casser d'ici. C'est chaud. Ok, vous venez par là parce que c'est cet endroit là qui est chaud. On n'a pas de taux dans ce tank, tant pis. Ça tire ici, c'est géré, très bien. Alors eux, on peut les faire venir prendre ce truc là, tant qu'à ce qu'ils l'ont pas. Là vous réparez ça. On a de nouveau plus de munitions ici, et pas grand chose là. On va envoyer... Alors la remorque de ravitaillement, voilà, on la déploie. On va sortir tout le monde. Attends, y a un gros canon sur cette remorque quoi. Viens donc la poser là. Quoique d'ailleurs non, pose-la vraiment en plein milieu plutôt. Vous là-dedans. Sérieux, ils ont rentré de l'artillerie? Putain, j'hallucine. N'importe quoi. C'est de pire en pire quoi. Vous pouvez conduire ce char. Eh bah go. Conduisez-moi ce char. Toi, viens là. Eux aussi ils peuvent conduire d'un char. Ils nous ont mis des troupes qui peuvent conduire des chars. C'est appréciable. Toi, viens là. Vous, vous reprenez votre char. Vous réparez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça vient? Ah, il y a des trucs qui sont sortis là maintenant. Ah, putain. Saloperie. Ok, viens là toi. Il va couvrir cette entrée. Ah oui putain, il y a des ennemis partout en fait, ok. C'est la fin du coup ? Excellent. Finish the campaign. Ah bah écoutez, attends, la mission, la vache. Alors 1h12, mais je pense qu'en vrai j'y ai facile passé 3h. 622 ennemis tués, 124 ennemis
véhicule ennemi détruit. On a perdu 5 véhicules, 29 soldats. C'est un ratio qui est quand même très très en notre faveur. Alors, qu'est-ce qui se passe après du coup? Est-ce qu'on a une petite cinématique de fin ou est-ce que c'est fini fini? Et c'était pas loin. Hein. Franchement là, j'avais complètement zappé cette entrée. Ils étaient en train de me prendre de dos là. Not bad for a bunch of deserters, renegades and civilians. The founders say they were born out of the disaster of the Atlanta pullback. Well, hopefully, something better is going to come out of what happened here, today, at Galveston. The Galveston pushback. Like the sound of that. Yeah. The day we all finally came together to show Legion we're not beaten yet. Have we started something here? Some kind of movement? The movement are a part of it. But this feels like something bigger. Everyone coming together. Working together. Resisted together. Right. A resistance. That's what we need to be now. Eh bien, ce sera le mot de la fin, visiblement. La résistance, la naissance de la résistance. Et bah du coup, la série va s'arrêter là. Franchement, c'était bien bien cool. J'ai vraiment apprécié ce jeu jusqu'au bout. La tension... Je suis en sueur à chaque mission. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. Je sais que vous êtes nombreux à avoir accroché la série, à l'avoir suivi avec moi. Merci beaucoup, beaucoup. J'ai envie de continuer un peu sur du RTS, donc je pense que je vais démarrer une série sur Man of War 2, qui est sorti quasiment au moment où je tourne ce dernier épisode. Donc on enchaînera sur du Man of War 2 après Terminator. J'espère que la série vous plaira tout autant. On va partir sur une des campagnes de... semi-tactique, semi-bataille, un peu comme sur Terminator, on va devoir gérer notre carte de campagne. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur cette série, au même créneau probablement que Terminator quand ce dernier épisode sortira. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.